Amis sportifs, bonsoir. Amis de Vers l'Actu, bah, bientôt ça sera la CAN, hein. On approche à grands pas. Dans le cadre de notre rubrique En route vers la CAN, nous avions eu la liste des 23 du sélectionneur Sébastien Desabres. Nous allons décortiquer cette liste. Ce soir, je ne suis pas seul. Je suis orphelin de coach Mathias et Lionel, mais je suis accompagné de Ludo. Bonsoir Ludo. Bonsoir Gaylor. Bonsoir Cédric. Bonsoir Gaylor. Bonsoir Ludo. Bon les gars, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. La liste a été dévoilée. Sans beaucoup de surprises. Qu'est-ce que vous avez dans un premier temps comme ça à dire sur cette liste, Ludo? Bon bah alors pour commencer sur cette liste, les premières impressions, moi je dirais principalement cohérence dans un premier temps. C'est une suite logique, cette liste, par rapport aux dernières listes que Desabres avait pu dresser. Exactement. Donc ça suit, on n'a pas forcément de grosses surprises. Donc le point fort, c'est que tous les postes sont doublés. Ouais. Donc il y a de la cohérence. Donc la liste, elle est bonne. Après, on peut avoir peut-être quelques petites déceptions à certains. On y arrivera au niveau certains, des déceptions. Voilà, certains ton avis sur la liste Cédric. Ouais, dans la logique et dans la continuité de ce que dit Ludo, Desabres, il a privilégié la continuité et il a son groupe, il a ses hommes, il veut partir là-dessus. Après, il y a des petits questionnements sur la composition de la liste parce que il a pris 24 joueurs. Alors qu'il aurait pu en prendre 27. Ah, ça, c'est une bonne question. Et du coup, ça peut susciter du débat. Pourquoi il n'a pas appelé certains jeunes pour les préparer pour l'avenir, ou pourquoi ne pas avoir appelé certains anciens qui auraient pu amener de l'expérience. Bon, on va en discuter, hein. Ah, parce que toi, tu voyais peut-être, tu disais peut-être qu'il aurait pu prendre un ou deux anciens. T'as des noms en tête. Moi, je suis plus sur les jeunes. Okay. Là, le cas de Sadiki, par exemple, l'avoir dans le groupe, surtout qu'il y a quand même cette idée qu'il peut quand même rejoindre la Belgique. Hein, il est déjà avec le groupe Espoir. Ouais. Il est intéressé à l'idée de venir jouer pour le Congo. Du coup, est-ce qu'il n'aurait pas fallu le convoquer pour justement le préparer pour l'avenir ? Parce que même si, on va dire, même si peut-être qu'il... qui n'allait peut-être pas directement jouer, on va dire, mais en vrai, on sait que c'est un joueur qui peut apporter, qui est prêt tout de suite là, qui peut jouer. Il a le niveau pour prétendre à une place dans cette équipe, en tout cas. Il a un profil qu'on n'a pas. Il a le profil qui manque, des profils qu'on n'a pas. Maintenant, bon, c'est les choix du sélectionneur. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu as à dire sur ça, Ludo? Bah le cas Sadiki, c'est l'une des premières déceptions. Hein. C'est l'une des premières déceptions. Nous, on s'attendait forcément à le voir sur sa liste. Après son envie de jouer pour la sélection, le dernier match référence qui vient de sortir contre Liverpool, on s'attendait forcément à le voir. Surtout qu'à son poste, on est un peu dépourvu en termes de joueurs dans son contexte, dans son profil. Donc c'est une première déception. On est surpris. Après, on sait que Desabres, c'est quelqu'un qui avance avec son groupe. Il n'avait jamais été sélectionné jusqu'à maintenant. Il est jeune, il est encore avec les U23. Donc est-ce que Desabres ne le préserve pas pour l'après-CAN? Il y a ça aussi, parce que je pense qu'il y a le côté où il avait déjà un groupe des joueurs avec lesquels il avançait. Il voulait peut-être ne pas perturber ce groupe-là et avancer avec les joueurs avec qui on a toujours été jusque-là. Et on verra après... Parce que là, il se dit qu'il y a aussi, il y a pas mal de il a dit dans son interview sur Jeune Afrique, il y a pas mal de joueurs qui ont contacté le staff, qui le sollicitent, donc peut-être qu'on va voir, il y aura de la concurrence après la CAN. Mais on aura toujours ce petit regret, parce que la compétition n'a pas encore commencé, mais si ça se passe mal, ou s'il y a une grosse déception, ou s'il y a des carences par rapport aux joueurs qui vont évoluer au milieu de terrain, on va se dire, t'as pris 24 joueurs, ça te coûtait quoi de prendre ce petit qui est très talentueux et qui représente l'avenir?
Même en observation. Tu vois, il y a des sélections dans les compétitions précédentes, ils ont procédé comme ça. Hein. Quand tu vois, par exemple, ça remonte à loin, mais dans l'idée, par exemple, un mec comme Ronaldo, en 94, oui. Il a 17 ans. Il sait très bien qu'il va pas le faire jouer. Il est dans le groupe. Mais il est dans le groupe. Pour prendre la température, apprendre. Il voit comment ça tourne et il se forge. Et tout de suite après, le petit, il prend la suite et voilà, il joue avec Romario. Faut même pas aller plus loin, on peut regarder même chez nous. Bemba, Cannes 2013, exactement. Il fait zéro match. Ouais. Zéro match. Ouais. Mais il est présent. Ouais. Il est là, déjà. Il a pris de l'expérience et maintenant il est devenu ce qu'il est devenu. Un cadre de notre sélection. Exactement. Ouais, aujourd'hui, c'est un cadre. Du coup, les absents. Les absents ont toujours tort. Mais quels sont pour vous, quand on regarde cette liste, hein, quels sont pour vous les gros absents? Vraiment, on ne parle pas des absents des chouchous de certains. On parle des absents vraiment, des personnes qui auraient pu prétendre vraiment à être là et qui ne sont pas là. Ouais. Moi, je vais dire qu'il n'y a pas forcément de grands absents dans cette liste. Il n'y a pas forcément de gros noms qui auraient pu prétendre de manière crédible et de manière logique. L'absence que je vais souligner, moi, c'est plutôt sur un aspect. Cette liste, elle est marquée par le manque d'expérience. Il n'y a pas d'expérience. Je comptabilise seulement 4 joueurs qui ont déjà participé à une CAN. Ouais. Masuaku, Bakambu, Bemba et Meshak. 4 joueurs sur 24, c'est assez peu. Donc, lorsqu'on sait que cet aspect d'expérience, c'est très important pour une compétition, moi, j'aurais peut-être rajouté certains joueurs comme Merveille Bopé, qui, je pense qu'on pourra y revenir. C'est un joueur qui a été évincé de cette sélection. Je pense qu'au vu de son niveau, dans un premier temps, il ne démériterait pas moins et que... Et même de son profil, quand on regarde les joueurs qui sont là. Là, si aujourd'hui, si un garçon comme Batu Bintika se blessait, il nous resterait quoi? Il nous resterait que Bouchiri et Baka. Tu mets qui derrière? Et moi, je me dis que Bopé, il n'est pas forcément moins bon que Inonga et que Bouchiri. Et d'autant plus qu'il peut, il peut, il peut aussi, mm-hmm. il peut dépanner au milieu aussi. Au milieu. Donc, ouais. il ajoute cet aspect d'expérience. Et j'aurais même cité aussi un Ikoko. Un Ikoko qui connaît ce poste de backup remplaçant. Il a d'expérience. Il a déjà disputé une CAN. Donc il aurait pu rajouter cet aspect. Moi, c'est l'expérience qui me freine sur cette sélection. Mais quand tu dis ça, du coup, c'est comme si tu donnais un peu raison à la philosophie de Desabre. Quand là, il prend pas Sadiki. Peut-être que lui pense comme ça. Se dit le genou, il est pas prêt, il connaît pas le contexte. Bah en revanche sur le cas Sadiki, c'est que au niveau de son poste, il y a pas forcément des joueurs dans ce profil d'expérience. on va se le dire. Pour Sadiki, peut-être la personne qui l'aurait pu remplacer poste pour poste, c'est Tchibola. Ouais. Tchibola, bon, je pense que moi je reviendrai sur son cas. J'en ai beaucoup à dire sur Tchibola. Tu peux y aller, hein. Mais je pense qu'un Sadiki à la place de Tchibola nous aurait fait énormément de bien. Il n'aurait pas été de trop, clairement. Tchibola, moi je ne sais pas pour vous, mais. Après, là tu parles de Tchibola, clairement on va parler français. On va dire les termes. On va dire les termes là. Quand on regarde dans tout notre milieu, ici on n'est pas là pour dresser les louanges ou faire les lauriers d'un tel ou un tel. On est ici d'abord, dans un premier temps, les supporters et les amoureux du Congo. À cette heure-ci, on n'est pas là pour faire du djalélo pour X ou pour Y. On dit les choses. Ça plaît, ça plaît pas. Voilà, ça sort comme ça sort. Maintenant, quand on regarde notre milieu, il n'y a aucun joueur qui joue la Coupe d'Europe. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a aucun joueur qui joue la Coupe d'Europe. Maintenant, t'as un joueur qui est jeune, qui est bon, qui est prêt tout de suite. On regarde Piquel. Cremonese, Ligue 2. Ah oui. Kakuta. Rajoute un aspect Ligue 2 et remplaçant. Ligue 2 remplaçant. Il n'est pas titulaire dans son club au quotidien. Ça, on supporte, il n'y a pas de problème. Mais un supporter, c'est pas là pour. Oui, mais regardez. Le truc, c'est quoi? Desabre dans son projet de jeu. Est-ce que Sadiki, aujourd'hui, il arriverait à l'incorporer correctement? Peut-être qu'il se dit, ce garçon, il a des qualités qui sont indéniables, mais peut-être que venir en sélection, ça va le mettre en difficulté. Il risque d'avoir trop d'attentes. Il a un peu l'esprit, tu sais, qu'on dit un peu vulgairement ici, France 98.
J'ai mes mecs solides au milieu, mes soldats. Et dis-moi aujourd'hui. Je veux que ça soit solide. Et Kakuta, il est en mes formes, il est pas bon. Tu mets qui derrière? Ah, ça c'est encore un autre débat. Vous parlez de Tchibola. Pour Kakuta en tant que sub, on a vu des tests qui ont été effectués, notamment contre la Nouvelle-Zélande. On a vu que des sabres, il a testé Bogonda en 10. Il a testé Bogonda en 10, c'était pas forcément. Mais moi, Bogonda en 10, je suis pas fan de Bogonda en 10. C'était pas un échec. Il a testé Bogonda en 10. Toi, t'as aimé? C'était pas un échec. Est-ce pour autant c'était une réussite? Ce que je peux vous dire, c'est que en tout cas, à ce poste-là, je l'ai plus vu que Kakuta lorsque Kakuta est présent. Donc toi, si t'avais le choix, tu tenterais Bogonda en 10 en priorité avant Kakuta? Je dis pas que je tenterais, je conserverais Kakuta, mais l'idée c'est de se dire, c'est une option. Quelle est l'option derrière Kakuta? Donc on se dit souvent que Kakuta 90 minutes il peut pas les tenir. On les a tous vus. Lorsqu'il sort, qui mettra sa place? Donc moi selon des sabres, il a deux options. Il a testé Bogonda en 10 contre la Nouvelle-Zélande et il a testé Grady Djangana en 10 contre le Soudan. Et je pense que c'est pour ça qu'il a pris, comme on l'a dit tout à l'heure, il a doublé les postes. Sauf que sur le poste de ailier, il y en a 5. Bogonda, Djangana, Wissa, Silas. Meshack et Silas. Ouais. Et dans ces 5, je pense qu'il y en a un qui va jouer ce rôle de couteau suisse. Tant ailier, tant numéro 10, ouais. derrière Kakuta. Il va naviguer entre voilà, tout à fait. Non, juste pour rappeler, on est en live. Hein. Donc vous pouvez rappeler pour réagir. Donc le numéro, c'est le 07 44. 84 73 45. Donc n'hésitez pas, venez débattre avec nous, il n'y a pas de problème. Donc moi je crois on va peut-être marquer une petite pause pub. Allez, hein, pourquoi pas. Une petite pause parce que on continue. OK, d'accord. On va continuer hein, comme Donc là je disais on disait Bogonda en 10, ceci cela, mais maintenant parlons du cas. Il y a un joueur qui fait beaucoup parler, beaucoup réagir. Il y a un nom qui revient beaucoup. Moukoko Amale. Dit Soso. Pour vous, son absence. Personnellement, moi, son absence, ça me choque pas du tout. D'autant plus que le mec, ça fait 6 mois qu'il a pas joué. C'est pas un sujet. Et même quand il est en forme, pour moi, ce joueur, même quand il est en forme, il est limité techniquement, tactiquement. Il t'a pas tactiquement. Convaincu. Non, moi, il m'a pas convaincu du tout. Maintenant, je veux bien, peut-être que vous êtes convaincu. Il y a. Bon. Je te laisse commencer. Moi, ça va être rapide, clair, concis. Oh, Soso, il est pas au niveau. Et il joue pas. Donc, tu vois, quand on parle d'expérience, il faut quand même qu'il y ait un minimum de notion de forme. Après, on peut te dire, oui, on a connu des joueurs qui ne jouaient pas en club, mais qui étaient bons en sélection. Sauf que lui, c'est pas le cas. Même quand il était en titulaire dans son club, ses prestations en sélection étaient douteuses. Donc c'est bon, on passe à autre chose. Quand on regarde les stats, c'est pas ouf. C'est pas fou du tout. Après, Ikoko, moi, sportivement, je suis d'accord avec vous. Sportivement, ouais. Bon, en plus, suite à son inactivité, hein, ça fait plusieurs mois qu'il ne joue pas. Il est sans club. Bon, il vient d'en retrouver un. Il vient de repartir au DCMP. Ouais. Après, je reviens sur le point où tu disais qu'on est sur une liste de 27 joueurs. Donc, tu peux éventuellement rajouter des réservistes. Un aspect aussi que je peux rajouter sur ce groupe, c'est peut-être le manque de caractère et le manque de cohésion. En termes de caractère, c'est vrai, là, on peut pas lui enlever ça. C'est quelqu'un qui... Du coup, il aurait pu apporter... Non, au niveau caractère. Alors, c'est quelqu'un qui a de la grinta, comme ils disent. Ils le disent. Mais maintenant, dans la grinta, il y a grinta et désordre. Moi, Soso... Non, mais les gars, pour moi, Soso... Ah, pour moi, Soso, c'est pas. C'est désordonné, les gars. Oui, mais après... Maroc, RDC, match retour. Regardez le match de Soso. Regardez le match de Nuindama. Deux personnes dont on nous a vendu la grinta. Oui, mais ouais. Regardez les résultats. Il n'y en avait pas un pour attraper l'autre. Après, en soi, contre le match contre le Maroc, Soso, il fait pas partie des plus gros flops sur ce match. Sur les 4 buts, Nuindama et lui. Ça vient tout vient de son côté. Il est peut-être pas directement fautif, mais
ils ont appuyé sur ce côté-là. Ils nous ont fait mal sur son côté. Moi, je pense qu'on a, en tant que supporter congolais, on a l'habitude de énormément taper sur Soso. Je sais pas. Bon, effectivement, c'est pas un joueur beau à voir. Il a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de gens qui le soutiennent aussi. Il est énormément décrié. Bon, après, on sait. Il est clivant. Après, c'est un joueur. Bon, il a la grinta. Mais moi, ce que je veux lui rajouter, c'est son apport dans le groupe. Pas dans l'aspect sportif. Parce que ça compte. Ça compte. On sait que en termes d'ambiance, etc., souvent, c'est lui qui met l'ambiance dans un groupe. Il apporte une bonne énergie. Dans là, tu es en train de me dire, s'il n'y a pas Soso, il n'y a pas d'ambiance dans le truc. Figure-toi que je suis en train de me poser cette question. Parce que souvent, on sait que sur les dernières cannes, vous voyez, souvent, lorsqu'on fait des célébrations, des chants, etc., exactement. Souvent, c'est les joueurs locaux qui les font. C'est les animateurs. Voilà, les animateurs, entre guillemets. Or, là, sur cette liste, on n'a pas forcément de joueurs locaux. Ah, on a Siadi, il peut le faire. Hein. Tout seul, je pense pas qu'il va réussir, entre guillemets, à s'ambiancer. Mais tu sais, moi, Soso, peut-être que je l'aurais inséré dans les 27, en tant que, vous savez, lors de la Coupe du Monde 2018 avec la France. En tant que Kipembe avec sa barbe. Kipembe et Rami sont là pour ça. Exactement, voilà. Ouais. En mode un Kipembe ou un Rami. Tu lui expliques le contexte. Il y a deux latéraux devant toi. Tu ne seras pas là. Sauf que lui, il vient pas pour ça. Deux centraux, tu veux dire. Deux latéraux. En parlant de Soso. Oui. Il y a deux latéraux devant toi. Toi, t'es principalement là pour encadrer le groupe parce que c'est comme un cadre. Il y avait un match où Soso n'était pas sélectionné, mais il avait fait le déplacement avec l'équipe. Et à la fin du match, il était avec eux. Ouais, c'est le match, je crois, la Mauritanie, Akin. Akin, tout à fait. Il était avec eux. Avec Bolingui, c'est que tu sens que c'est quelqu'un qui a quand même du poids dans le. Je t'arrête tout de suite. Mm-hmm. Le coup d'être là à Keen avec le groupe, c'était aussi. Ça faisait un moment mm-hmm. qu'il jouait pas. Mm-hmm. Pour moi, ça n'est que mon avis. Mm-hmm. Ça n'engage que moi. Donc il est venu en mode. Mm-hmm. Bon, Naya quand même. Naya que je vienne quand même. Mm-hmm. Histoire de. Tu sais, qu'on me voit. Tu vois, histoire qu'on... Oui, montrer au sélectionneur que j'ai le bon état d'esprit, voilà, je suis le groupe. Oui. Après, est-ce que c'est suffisant pour le sélectionner? C'est le débat. Moi, je pense que maintenant, ça y est, on est lancé. Il faut que la compétition, elle débute et après, on fera les bilans nécessaires et les observations qu'il faut parce que... Comme Ludo l'a dit en introduction, c'est cohérent par rapport à tout ce qu'il a mis en place depuis le départ. Il n'y a pas de truc loufoque où tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Exactement. Ouais, donc là, on y est à la pause. Donc, on va faire notre petite pause. Pouf. Voilà. Le temps de placer un excellent produit.
Bah ouais, on est revenu, la pub elle est finie, donc le temps de faire un big up à Oli Cook qui nous a ramené des bons mets, donc cheb, pastel. Voilà, vous pouvez commander la semaine, hein, le week-end, venez chercher à Vitré, il n'y a pas de problème. Donc en tout cas, nous on va goûter, on va vous dire en tout cas, moi j'ai goûté en off, c'était vraiment très bon, donc du coup, voilà, merci Oli Cook. Et nous, on va revenir, du coup, Sébastien Desabre, j'allais dire Cédric. Mmh. Il avait la possibilité de prendre 27 joueurs. Mais pourquoi, est-ce que pour vous, pourquoi est-ce normal qu'il s'arrête à 24? Pourquoi pas aller jusqu'à 27? Ça choque, enfin ça choque, c'est un grand mot. Ça peut surprendre, mais dans le fond, il sait pourquoi il fait ça. Rajouter pour rajouter, est-ce qu'il se dit ça ne va pas m'encombrer plus qu'autre chose? Gérer un grand groupe. C'est pas simple, tu vois, dans les périodes d'entraînement, de récupération, gérer les temps de jeu et la présence de chacun. Tu sais, Deschamps, il est pareil. Hein. Il aime pas les grands groupes. S'il pouvait, il aime bien avoir des réservistes, tu vois, au cas où. Mais il aime pas avoir trop de joueurs qui amènent le questionnement. Du coup, il part avec ses gars. Il y en a qui savent qu'ils vont être remplaçants. Il y en a qui savent qu'ils sont remplaçants plus. Et qui peuvent être titulaires ou en concurrence avec un coéquipier. Et des sabres, il a cette logique-là. Mais est-ce que c'est, excuse-moi de te couper, est-ce que c'est pas un signe de manque de caractère? Parce que quelque part, j'ai envie de dire, c'est toi le boss. T'appelles un joueur, un jeune par exemple, que tu veux préparer pour plus tard. Allez, tu donnes peut-être une minute ou tout ça. Ou pas même, le fait juste de venir à une grande compétition et de prendre, je pense à quelqu'un comme Michel-Ange Balikwisha ou même au petit Balikwisha, c'est... Le problème, c'est que jusqu'à maintenant, des sabres, il avait toujours eu l'habitude de travailler avec des groupes élargis. Toutes les listes qu'il avait prises, ouais. il n'avait jamais sélectionné 23 joueurs pile ou 24. C'était toujours des listes de 27, voire 30. Donc, il a toujours eu l'habitude de travailler avec ce groupe élargi et à chaque match, de désigner des joueurs qui vont être réservistes. Il a toujours fait ça, oui. Donc, moi, c'est pour ça. Parce qu'en plus, la CAF, au début, ils avaient basé donc, les listes sur 23 joueurs. Exactement. C'est tous les coachs qui se sont réunis. Ils ont fait part de leur mécontentement en précisant qu'au vu, en plus de la période, enfin, on est aussi en plein Covid, il y a pas mal de matchs enfin, qui se déroulent. Donc, les coachs avaient demandé à ce que les listes soient élargies jusqu'à 27. Donc, moi, je comprends pas pourquoi Desab n'est pas monté jusqu'à 27, tout en sachant que pour moi, si tu pars avec un groupe de 23, comme tu avais cité Deschamps, c'est que t'es serein sur ton groupe. Je te dis que c'est ce groupe là, j'ai travaillé avec et je suis confiant. Or, sur les dernières échéances, on sait qu'on a vu qu'il y a pas mal de voilà d'interrogations sur certains postes. Je vais prendre le poste de latéral gauche par exemple. Ouais. Latéral gauche, on a Masuaku et Kayembe. Et Kayembe, Masuaku, il revient tout juste de blessure. Exactement. C'est un joueur qui a eu pas mal de rechutes. On allait y venir pour moi. Très belle transition du coup. Parce que là, Masuaku, fragile, oui. Mm-hmm. Maintenant, il a un statut. Et par contre, quand il revient, il y a un joueur, Joris Kayembe, qui a convaincu. Oui, il a fait des bonnes performances. Il a fait des très belles perfs. Et clairement, moi aujourd'hui, Masuaku comme Kayembe, c'est. Masuaku n'est pas là, tu mets Kayembe, on perd pas. On perd pas, on change. Mais moi, Vous titulariserez qui? Masuaku ou Kayembe? Moi, j'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Ludo. Moi, je pense qu'il est sûr de lui, de Sabre. Il prend 23 parce que, même s'il y a eu la contre-performance. Pour lui, il se dit, c'est avec ce groupe-là que je dois avancer et la fédération doit me faire confiance, le peuple congolais doit me faire confiance et j'en assume les responsabilités. Donc, on va voir ce que ça donne. Quand tu abordes le cas Masuaku Kayembe, je pense que tout dépend du profil de l'adversaire. Tu sais, Masuaku, il a une qualité de pied qui est quand même intéressante. Donc, si tu as des velléités... Kayembe aussi. Si tu as des velléités offensives, peut-être que tu te dis Masuaku, avec son expérience, il peut apporter un truc et tout. Après, tu en as d'autres qui vont peut-être se dire faut lancer Kayembe et faire comprendre à Masuaku qu'il est en backup.
Non, même qu'il est en concurrence, clairement. Pour moi, perso, moi, ce poste-là, j'ai envie, en fait, dans cette équipe, il y a quelques joueurs, en tout cas pour moi, à tort, qui se sentent installés. Et donc là, le cas de Masuaku Kanyembe, tu lances la concurrence, tu fais comprendre à Masuaku que là, si tu veux jouer, il faut que tu sois que à meilleur niveau. Ta place n'est pas au chaud. C'est ta ça, place, clairement, pas au chaud. En termes de là, tu viens. Ouais. Sauf que, attention les gars, attention à une chose. Quand tu te lances dans une compétition internationale qui est un tournoi, tu as besoin d'avoir ton groupe sûr. Et sur deux ou trois postes, ça peut changer selon le truc. Parce que quand tu mets trop de concurrence, ou tu sais, tu as des profils un peu interchangeables, ça marche quand ton équipe, elle est, il y a un fond de jeu qui est tellement solide, tu changes un tel ou un tel, c'est pareil. Sauf que je pense pas que lui, il est là-dedans. Tout à l'heure, on va parler des attaquants. Et jusqu'à aujourd'hui, si je vous demande, il y en a, toi, tu peux dire Bakambu. Il y en a qui vont dire, faut lancer Banza. Et t'en as d'autres, ils vont dire, mais faut mettre Mayele. Il y en a d'autres, ils vont dire, pourquoi on met pas Wissa derrière l'attaquant? Donc, toutes ces interrogations-là, ça pose souci. Là, la transition, elle est toute faite. On passe sur les attaquants. Donc, Mayele, Bakambu, cela, clairement, faudra, des sables, on sait qu'il part sur un 4-3-3. Donc, devant, en pointe, il y en aura qu'un. Donc, est-ce qu'on repart sur Bakambu? Est-ce qu'on fait confiance à Simon Banza? Et pourquoi? Ou on lance carrément Mayele qui est en train de péter le feu en Afrique avec les Yanga et maintenant qui commence à carburer avec Pyramide FC. Sachant que dans le groupe, là, on va jouer la Zambie et la Tanzanie, qui sont deux équipes un peu au profil à peu près similaire, des équipes. Des sélections qui connaît très bien un joueur comme Fiston Mayele. Ça, faut pas négliger. Mais sur ça, je pense que même des sabres sur les trois, lui-même aussi, il a eu un casse-tête. Je pense qu'il s'est cassé la tête. Encore, je pense, non? Parce que je pense qu'il a déjà trouvé. En soi, moi, je pense que même au niveau de la liste, cette liste est plus une liste de 23 joueurs plus 1. Parce que je pense que dans l'idée de des sabres, c'était de partir avec 23 joueurs. Comme on a dit, il a doublé tous les postes, sauf le poste d'avant-centre où il a triplé. Ouais. Il a pris donc Bakambu, Mayele, Banza. Je pense qu'il a, il a pas réussi à faire un choix entre les trois. Comme les trois ont une crédibilité pour être présent. Et les trois ont un profil singulier. Un peu. Même si Banza et Mayele, il y a dans le jeu en pivot et tout, Mayele pour moi, il a montré, il l'a prouvé. Moi dans Mayele, pour moi perso, je le garderai en remplaçant de luxe, genre en joker luxe. Tu sais que quand t'es pas forcément remplaçant, c'est pas pour moi, c'est vraiment pas le mot. C'est une vraie option. C'est une vraie option, genre c'est quelqu'un qui vient en rentrant, il vient finir. Il apporte toujours quand il rentre. Quand il rentre, il a toujours été décisif. Pourquoi ne pas le garder dans ce rôle-là où on sait que quand c'est un peu pas bon, on rentre Mayele, on sait que s'il a une occasion, il va planter. Mais tu penses qu'il va faire il va changer ça? Je pense qu'il va faire ça. Je sais pas. C'est vrai que le dernier match, il a lancé Banza alors que ça nous a surpris. Ça a surpris tout le monde. Donc là, la question à présent, c'est de se dire, dans un premier temps, qui sera le 9 titulaire entre les trois et qui sera le 9 remplaçant en priorité entre l'un des deux restants. Si on étudie les trois profils, bon, Bakambu, c'est le plus expérimenté. C'est le joueur le plus expérimenté. C'est le joueur confirmé. Avant que tu coupes, faut regarder aussi par le profil des défenseurs des adversaires aussi. Regardez, par rapport aux adversaires qu'on va jouer. Le Maroc, par exemple. Moi, j'ai du mal à voir Bakambu jouer. Parce que certes... T'as Aguerd, en défense centrale, le Maroc, c'est qui? C'est Naïef Aguerd. C'est et Saïs, je crois. Mais des fois, il joue à 3, des fois, il joue à... Pour moi, c'est pas forcément face à la défense. C'est plus au niveau de notre animation de jeu. Moi, je dis souvent que au niveau de notre jeu et de l'animation offensive, on a l'habitude de proposer, on peut mettre n'importe quel neuf, on aura toujours le même résultat. Le même résultat, manque de ballon, manque de réussite pour arriver jusqu'au neuf. On peut mettre Bakambu, Mayele ou Banza. Exactement. Tant que derrière ça ne suit pas, on aura la même problématique. Le match que Banza fait contre le Soudan, c'est le même match que Bakambu fait en sélection, c'est le même Wissa fait contre le Gabon. Exactement. Lorsqu'il joue en neuf tout seul quand Bakambu il est suspendu. Donc je pense que c'est plus au niveau de l'animation derrière, parce qu'en plus en termes de profil, Banza c'est vrai qu'il marque beaucoup de buts, mais si vous regardez tous ses buts avec Braga cette année, c'est souvent des buts c'est souvent des buts en une touche de balle. Donc il marque des buts en une touche de balle, ça veut dire qu'il est bien servi.
Bon. Non, mais après attention aussi, mon Banda, c'est un profil qui. C'est pas, pour moi, c'est pas un profil à la, on va dire, entre guillemets, à la Cavani où il faut nécessairement le servir. C'est quelqu'un qui peut se faire ses occasions, qui peut finir, qui peut dribbler, qui peut combiner. Tu le vois débrouillard. Assez il complet. Est débrouillard, on l'a vu à Lens, en Ligue 1, on l'a vu. Moi, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne vois pas, genre, dans ce rôle-là, par exemple, moi, ça, je vois plus Maïedé comme ça. Un gars qu'il faut servir. Qu'il n'ait pas beaucoup de touches à faire, par exemple. Il va venir, il va faire une touche, bim. Un attaquant clinique. Voilà. Est-ce que Banza, par exemple, on peut le voir comme un attaquant qui peut venir participer au jeu? Exactement. Comme des attaquants qui viennent participer exactement. Au jeu. Exactement. Lui, je verrais. Il y en a des trois. Il y en a très peu. Des trois, je verrais plus Banza dans ce rôle-là. Bah, Bakambu aussi, oui. Mais Bakambu, pour moi, seul devant Bakambu, pour moi, on a tous vu que c'est un problème. Dans cette équipe. Il est trop isolé. C'est pas quelqu'un qui va. Il peut pas le faire. Et même il va faire remonter le bloc. Et même pour venir rechercher les balles. Il se techniquement, fait il se fait il manger par les défenses et tout. C'est pour ça que les fois où il a vraiment brillé, c'est des matchs où. C'est pour ça que le Maroc, j'ai du mal à voir Bakambu titulaire. Moi, je me dis que des sabres, faut qu'ils constituent son 11 type. Et il n'a pas besoin de s'adapter en fonction de l'adversaire. Faut qu'il constitue son 11 type. Moi, devant, je partirai avec la sérénité avec Bakambu. Mais pas avec un Bakambu en titulaire indiscutable. C'est un Bakambu qui commence le match. Et qui sort. Tu veux dire que premier match, nous, on joue quoi? Un premier match, on partirait, ça serait la Zambie. Donc, contre la Zambie, toi, tu partirais Bakambu titulaire. Avec Bakambu titulaire. Il use la défense, par exemple, avec ses courses et tout. Avec les et dans un deuxième temps. Ah, parce que là, de débat, il n'y en a pas que au poste d'avant-centre. Il y a sur les couloirs aussi, l'animation. L'animation de. L'animation, vous mettrez vous. Elle n'est pas claire. Qui vous mettrez Elle est pas claire l'animation. Moi, je pense qu'il y a un joueur qui fait, on va dire l'unanimité. L'unanimité ou qui est, on va pas dire incontestable, mais qui semble fiable. Ouais. Moi, je suis épaté, c'est un grand mot, mais je suis convaincu et agréablement surpris de l'adaptation assez rapide de Wissa. Wissa, il fait ses matchs. Ouais. Et Wissa, quand il faut mettre le pied, faut aller au combat, il le fait. Il a compris que le contexte. Africain, c'est un jeu des fois qui peut être rude, âpre. Après, je pense qu'il faut qu'il hausse aussi son niveau de jeu, comme sur les éliminatoires. Wissel n'avait pas forcément. Il n'avait pas été forcément bon. Quand tu disais ça, j'ai cru que tu allais parler de Théo Bongonda. Bongonda également. Tu vois. Sur le match contre la Nouvelle-Zélande, on a eu une petite frayeur. Desab ne sélectionne pas Wissa. Il ne le prend pas. Ça nous a fait quand même une petite frayeur. Ouais. Ensuite, sa place de titulaire, parce qu'il avait débuté les 5 premiers matchs des éliminatoires. Exactement. Ouais. Il avait débuté en tant que titulaire. Et le dernier match contre le Soudan, il le relègue sur le banc de touche. Donc, en termes de profil, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un profil très intéressant. C'est un profil différent que les autres ailiers. C'est pas un ailier qui va prendre la vitesse ou qui va provoquer. C'est un ailier qui va conserver le ballon. Mmh. Mais la problématique peut-être qui peut se poser par rapport à Wissa, c'est que Wissa, c'est un attaquant. Un attaquant dans général. Il peut jouer en 9. Il peut jouer en ailier. Il peut jouer derrière l'attaquant. Et derrière l'attaquant. Or, le poste sur lequel il joue actuellement, c'est pas directement le poste d'ailier. C'est le poste de milieu gauche. Il y a une nuance entre les deux postes. C'est un 4-5-1. Voilà, on a plus un 4, on joue en 4-2-3. 4-2-3. Et sur ce poste-là, ça veut dire qu'il doit un peu plus manger la ligne et doit faire beaucoup plus d'efforts défensifs. Or, que lui, c'est un joueur qui aime bien avoir le ballon, dans la conservation de balle, il est bon. Je sais pas si vous avez remarqué contre le match contre la Mauritanie, il repiquait souvent dans l'axe. Systématiquement, ouais. À la place de Kakuta. Et du coup, il se téléscope. Voilà. Enfin, mal, ouais. Donc, c'est un profil qui peut être intéressant. Et de l'autre côté, on peut avoir un profil un peu plus provocateur avec Bogonda qui va plus provoquer et aller dans la vitesse. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Qui êtes-vous? Vous appelez d'où? Ouais, j'appelle à partir de Lyon. Je voulais participer par rapport à ce que vous êtes en train de débattre pour notre sélection. Mais j'aimerais parler en Lingala. Non, le problème est que tu es en Lingala. Tout sur Lingala, c'est toujours qu'on a bien le problème. Bon, en fait, je n'ai pas le bas de jeunes, hein. Non, je n'ai pas le bas de jeunes. Bon, Avi, il y a un équipe qui va participer par rapport à ça. Oui, Québec, t'as quand même bientôt vous m'a demandé, mais si je ne me trompe pas. Ah, t'as la liste. Nathalie Lys, et puis il n'a pas mouru à football. Moi, mon père, j'avais qu'un seul joueur. Bon, voilà. Nathalie Lys, la plupart des joueurs, ils ont expérimenté. Expérimenté, non, la matière football.
Dans le match, il y a Cannes. Parce que foot, il y a Europe. Dans Cannes, il y a des choses différentes. La réalité, là, il y a un meilleur côté. Le joueur local, là, c'est banni. Oui, il est peut-être à la même forme, à la formeté. Mais il est toujours important à avoir une expérience qui a joué déjà bêta compétition sur le long pas là, toujours important. Qui seront pareils. Bazaba joueur au Bakoki pour manquer de la liste au Messabra Sami. Dans Yozo regretté, absence, il y a Tisserona, Nakibano. Alors que. Papa, effectivement. Oui. So, tu as bien, Banda, à un moment, Banda de Sabra, oui. A Bing Sabango, même pas une seule fois. Donc, d'un coup, justement, à Longolaba joueur, Oye, qualifié, à Bing Atisra, montre, il y a un tchamwa bouli qui est dans le groupe. Bon, papa, au moment où il y a balle, il y a moral. Parce qu'un entraîneur, pour jouer un rôle, il y a entraîneur, à même pour jouer un rôle, il y a conseiller en même temps. Mais de quoi qu'il sera, il y a un an, attends, là, tu as brassé, attends, pour bandater, parce qu'il y a participé. Tu te dis, avec mon frère, c'est à G.O. de savoir, mais il faut bien être saté. Mais papa, tous, soyons honnêtes. Là, tu seras. Na Joe na na Bosana habite en Tanzanie. Soyons sérieux, papa. Parce que j'ai une on avait meilleur que Tisserand, je vois où tu as vite. Alors dans le Longoli Varane, au Longoli Varane, au Tier Tisserand, c'est ça? Ben justement, il va clair. Nous bloquons la moine Yohan Sadik. Oui, alors non moi mon peu. Na la mine a débit collègue nous Bosana tombé na sur nous pour mon boyer. Na c'était là on m'a caché. À l'obéli concernant l'époque, il y a 1994. Époque, voilà, Ronaldo, malgré ça qui est mondial. Ronaldo, c'est qui titulaire dans le Brésil. Ça, c'est à l'époque, Roma, il m'a dit, cadre au Brésil. Mais au fur et à mesure, Ronaldo, il y a un peu de temps. Il y a Roma, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps au Brésil. N'est-ce pas, Ronaldo? Exactement. C'est ça, aux autres en habitant à Congo. Tu peux dire que Chané n'a dit ce et qui. Mais bah, c'est une équipe qui m'a la mort, tu es déjà à l'aide de nous, Chané, parce que bah, je vais à Nyon. Même ma carrière, moi, en 2013, série, coupe d'Afrique, bébé, n'a fille du Sud. Voilà, en train d'aller à la cour des rois. Chancel, la Kenya m'a dit ça, bah, attends, mon Timor, tu sais. Exactement, ouais. Mais aujourd'hui, Chancel, il y a comme une part de l'équipe nationale, capitaine en plus. Donc, relève, ça a toujours important, maman Bali. Mais de ça, ça a l'air brutal, il y a aussi un acte. Et toi, pour faire l'air, il y a qui, effectivement, a bannu qu'au chanel, moi, bah, joueur, n'a aimé, a gardé qui presque au statut, au exemple, il y en a, il y a Ibengo. Il y en a peut-être, peut-être qu'il y a un résultat, et il y a qui pété. Mais justement, résultat, il y a que parce qu'au fur et à papa Bali, il y a la cohésion. Chaque fois, toujours d'être ensemble, hein. Ouais, ils ont Ezoïa. Mais ils sont sur quoi? Le logo est un joueur Moussousou. Oui, il est un joueur Moussousou. Il est parti que William Batoukou soit bête en standard de Liège. Mais puis, comme on voit, l'année prochaine, on va bête en Villarreal. Apparemment, oui, en Villarreal. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Oui. Sur quoi, il est dit ça là, au juillet, au titre de titulaire. Ok, Jean Gaël Kakout, effectivement, Kakout a une expérience. Mais Kakout a un joueur qui va retenir 90 minutes. Tu sais. En plus, l'année, Kakout a un la deuxième division, mais il réserve. Donc, pour nous dire qu'il y a un joueur au niveau T, il y a un grand. Il est total à présent. Total à rester, Azala pas bon joueur. Bon, remonter l'image à l'époque. Parce que si vous contournez le côté la bosse, c'est tout, j'avais pas pour tout. Mais au moins, tu es ma cambolobi, avant ton 4 ans, on se contredire parce que justement, ma cambouana, il y a moi, ça, il y a mon attissant. Parce que la ligne a pris peut-être ma jeune place. Tu vois? Non, c'est pas ça. Au moins, pour le tisserand, on a déjà différent. Tisserand, Zobeta, la titulaire, mais n'a Zobeta. Maintenant, il y a Zobeta, tu es. Oui, effectivement, Macron est avec les temps, Macron qui est né. Mais tu seras à Zan à balle au pied à Zobeta. Mais là, nous avons des Et là, on a un gars là, le Baboué. En tout cas, bon, là,
le vin est tiré. Hein? Liste et salami, dose et la carte. Mais qu'est-ce qu'on a proposé 11 nanga avant pour 4 nanga? On va proposer 11 nanga quand même, comme ça, avant. Depuis que nous avons 11 nanga, nous avons dit Lionel passe dans Ami, comment? Na poto, la poto, oui. Latéral droit, na bé quartier, ma soie. Mm-hmm. Je préfère la bête à Nani, je vais jouer la traite de. Je danse comme moi, Nataga. D'abord, ma déchet te dit qu'on sera naté. Baillé le voilà. La bête ici, baillé, na axoana, même la bête comme libéraux, stoppé la bête de façon à cette scène. Oui, un abo ça comme nous. Batou bichu, papa. Voilà. Na 6, na la bête ici, Charles Piquet. Et puis, na 8. Na betisi mutu sami. Aha. Na di wana po na nga sponsor manga chez moi. Eh to la. Na di. Na di na betisi na metis na biso dernièrement c'est di na Martin Boy. Ah Bongonda. Bongonda. Na betisi Bongonda et le comment na nga na souligner azobe sa silas tant de jeux de points. Silas est là titulaire mais qui na beta ratiaka. Mais si laisse n'a si n'a vu 30 minutes il t'a bêté dans le match officiel. C'est ça, c'est ça attends. Équipe type, hein, si, parce que tant est comme ça, voilà. Si laisse n'a bêté dans mon pandi. Bon, on a pointe, c'est quoi, bêté si nan. N'a pointe, ma bêté ça, baka ma bêté ça, joker, aga la titule, aga la, taka de pointe cité. Azo ya, azo zone là. A bêté n'a si ma bande. Oh, équipe Noël a bien en tout cas. J'espère que de toutes les façons, pendant la CAN, vers l'actu, tu as Alawana, tu as compté la présence Noël à chaque fois, tu as un live. J'espère que tu as Alawana. Donc, bisous, c'est un salut. C'est un salut à football, la bêta balle. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci pour la participation. Merci, merci. Merci beaucoup. Ok. Voilà, on avait un passionné au bout du fil. Qui a donné son avis, donc on en était où nous, du coup, finalement? Ah bon. On parlait de l'attaque et tout, finalement. Oui, on évoquait l'animation offensive et les choix à faire. Mais notre intervenant a proposé une lecture qui est intéressante. Et c'est vrai que Bakambu, l'utilisation optimale, va poser question. Parce que tout à l'heure, on disait, faut peut-être le mettre titulaire. Pour qu'ensuite, dans un deuxième temps, on fasse rentrer Mayele ou Banza. Mais peut-être que c'est l'inverse qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut mettre un attaquant qui va travailler, qui va user les défenses. Et lui, avec ses qualités de vitesse et tout. Et de finesse. Et voilà, les défenses fatiguent. Et là, il peut peut-être faire des que Banza, il ne faut pas y aller progressivement avec lui. Plutôt que Mayele, alors. Mayele, après, on sait qu'il y a des limites. Franchement, on sait que le faire commencer titulaire dans une CAN, face à la Zambie ou contre le Maroc, ça risque d'être assez une grosse responsabilité pour lui. Donc t'as déjà ton titulaire. Bakambu pour moi. Bakambu, Mayele, je pense que même Dessabo aussi, il a la même gestion avec lui, de se dire que c'est uniquement un joker. Quand tu rentres, et dans ce rôle-là, il est vraiment bon. Donc, mais il faut animer l'équipe de sorte à ce que les qualités de Bakambu soient capitalisées. C'est ça. Numéro 10, derrière Kakuta et les ailiers, Bogonda, Wissa. À eux de bien servir notre numéro 9. À eux de bien servir notre numéro 9. En tout cas, merci d'avoir été là. Et nous, on vous donne rendez-vous pour bientôt. Et soyons tous derrière les léopards. Oui. Merci. Donc, merci à Oli Cook. C'était très bon. C'était très, très bon, en tout cas. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup. Ouais, merci. Ciao.